On va s'entraîner à écrire les lettres à pointe. On commence par l'écriture de la lettre I. Je commence ici et je trace un petit trait oblique qui monte jusqu'à la ligne du haut. Ensuite, je descends par un trait bien droit jusqu'à la ligne du bas et là, je trace le petit sourire et le point au-dessus du I. La pointe est réalisée grâce au petit trait oblique et au trait qui descend bien droit. J'ai une belle pointe ici. Maintenant, l'écriture de la lettre U. Je commence exactement au même endroit que la lettre I et mon tracé va être le même que la lettre I. Je monte par un petit trait oblique, je descends par un trait tout droit, et là je fais un grand sourire, je monte par un trait tout droit, je redescends contre ce trait et petit sourire. Maintenant la lettre P. Je commence au même endroit que pour la lettre I, je monte par un petit trait oblique. La lettre P est une lettre qui descend, donc là je descends un trait vertical plus bas que la ligne du bas. Je lève le feutre pour remonter tout en haut et je trace mon pont. Je redescends un trait tout droit et petit sourire. Ici, j'ai un beau pont parce que j'ai descendu par un trait tout droit, un trait vertical. Si je trace mon P de cette manière, ici, je n'ai pas un beau pont parce que je ne suis pas bien descendue par un trait vertical. La dernière lettre sera la lettre T. La lettre T est une lettre qui monte, qui va plus haute que la ligne du dessus. Donc la pointe se trouvera en hauteur. Je commence au même endroit que pour la lettre I et cette fois-ci, je monte mon trait. Et je le redescends un trait tout droit jusqu'à la ligne du bas et un petit sourire et un petit trait oblique, un petit trait à plat. Voilà pour les lettres à pointe.